un autre auteur que tu abordes à plusieurs reprises, il y a d'ailleurs un procédé assez drôle, c'est qu'on le voit, tu crois le voir en fait très souvent, on dirait un peu du Bret Easton Ellis d'ailleurs, tu crois le voir, en fait ce n'est pas lui, c'est Beck BD, oui. qui est une espèce de fantôme comme ça tout au cours du roman. Oui, parce qu'il était, il y a des sosies, il y a beaucoup de clones qui l'imitent. Voilà, ouais. Et tu as cette phrase quand même que tu dis, Beck BD, ce mafieux pas sympa, déconneur très sérieux, calculateur. Qui a commis de nombreux crimes, de très nombreux crimes, je crois, contre la littérature. Oui, bien sûr. Alors, je serais même plus dur envers lui qu'envers Solers, presque. Parce que d'abord, il y a une œuvre, quand même, chez Solers qui est indubitable, à la fois littéraire, et puis il y a vraiment un goût et une connaissance de la littérature que Frédéric Beck BD n'a pas. Et surtout, c'est sur cette espèce de côté fun, drôle, marrant, qui met de l'animation dans les soirées, qui a donné une espèce de souffle de liberté, de rebellitude à toute une génération, on peut le dire, et qui me semble la plus fausse. C'est l'une des plus grandes escroqueries de notre époque. Parce que derrière ça, il y a quelqu'un de très très sérieux, très calculateur, et même il y a plein de choses qu'on découvrira plus tard sur lui qui vont effarer même ses meilleurs amis. C'est quelqu'un de très secret et de très caché, et qui n'est pas du tout celui qu'on croit. Donc moi, comme je le connais bien, je peux en parler et j'ai pas peur de le dire. C'est sous l'attitude de quelqu'un de très très drôle, très marrant, très déconneur, qui vante la superficialité, il y a quelqu'un aussi de très politique et de très calculateur, comme je dis, dans sa volonté même de nuire aussi bien aux auteurs qui peuvent lui faire de l'ombre que de se placer lui-même dans une certaine aussi bourgeoisie des lettres à des fins qui ne sont pas toujours très, très nettes. Et ça, c'est cette espèce de double face que moi j'aime bien révéler aussi, de montrer et de dire aux autres, attention, c'est pas le marrant que vous croyez. Il n'est pas du tout marrant. Voilà, c'est même un des personnages les plus sinistres. Alors, sous couvert de se faire plaindre en se flagellant en disant « je suis une merde », en espérant qu'on lui dise « mais non, t'es pas si une merde que ça, mais non, t'es quand même attendrissant », c'est ça la théorie. En fait, au fond, il y a vraiment un type qui est vraiment une merde, et qui le sait, et qui ne le supporte pas qu'on le voit. Parce qu'il fait partie de ces gens qui ne supportent aucune critique. C'est-à-dire qu'ils ont le pouvoir, ils ont tout ce dont ils ont rêvé pour réussir dans ce qu'ils croient être la littérature, alors que ce n'est que le monde des lettres. Et encore, ils sont malheureux. Ils ont encore le luxe d'être malheureux. C'est-à-dire qu'ils veulent tout, ils veulent en plus avoir du succès, être connu, de l'argent, de la reconnaissance, des prix littéraires, tout en continuant à se considérer comme une merde et de dire « je suis une merde ». Mais ils ne supportent pas que quelqu'un puisse les critiquer ou leur faire comprendre qu'ils ne sont quand même pas au niveau. Parce qu'ils sont quand même des tocards sur le plan de la... Et lui en particulier, sur le plan de l'écriture. Nous, quand je dis nous, c'est les gens qui l'admiraient, lui, quand il était plus jeune. La génération qui est la mienne, c'est-à-dire celle des Besson, Neuf, tout ça. Quand il est arrivé, Beck BD, personne ne misait un copec sur lui. Hein, puisqu'il aime la littérature russe sans rien y comprendre. Donc on disait, je me rappelle, et j'étais un de ceux qui comprenaient le plus qu'attention, il risque de faire cette espèce de mélange frankensteinien en mettant un peu de mélange de cadavres de Jean Edernalier, de Solers et de Bernard-Henri Lévy, et pour en faire une espèce de monstre hybride qui va diriger qui va diriger, dont je parle des Français, oui, et sur le plan stratégique, qui va diriger le petit monde littéraire. Eh bien, pas du tout, les autres me disaient, mais t'es fou, mais regarde, il est moche, il a aucun humour, il a pas de talent, c'est un publicitaire, il a aucun charme, il a aucun avenir d'aucune sorte. C'est d'ailleurs ce qu'on m'avait dit aussi sur Houellebecq, Solers lui-même me l'avait dit au milieu des années 90. Moi je me méfiais quand même, je voyais, attention, c'est pas parce que le type est très médiocre et qu'il fait du faux sans arrêt et qu'il est complètement bidon qu'il va pas réussir. Et s'il réussit, c'est tant mieux pour lui, mais on s'en fout qu'il réussisse. Sa réussite, je ne l'envie pas. Ça serait bien dommage et malheureux qu'on puisse me croire jaloux de quiconque, encore moins de ces gens-là. Mais ce qui est grave, c'est qu'il trompe le lecteur. Le public est trompé par lui. C'est-à-dire qu'ça commence à baisser quand même. Hein. Toute cette bande-là commence sérieusement à avoir pris un coup dans l'aile. Et d'ailleurs, grâce à Internet et grâce à cette façon de propager les opinions différentes, donc il n'y a plus une seule direction. Quoi. Et ça, c'est un des bienfaits de la diffusion des informations sur Internet. Pourquoi tu te méfies justement?
Ben parce que je voyais. Présenter. Ben je le voyais un peu. C'est comme un acteur, tu sais, ou un acteur ou un comique justement qu'on voit sur scène qui fait un numéro. Puis quand tu le vois en privé, tu vois bien qu'il n'est pas du tout le même. Qu'il a un autre discours, qu'il a plus d'ambition qu'il ne le cache. Tu vois. Donc il y a quelque chose de faux. Je me méfie toujours des gens qui sont pas pareils au bistrot et puis ensuite à la télévision. Tu vois, qui sont différents, qui disent pas les mêmes choses et qui sont pas tout à fait accordés. Moi, je suis le même ici devant le guignolet du jardin Marigny que je le suis chez Ardisson ou dans un café. Alors après, on peut me discuter, on peut me critiquer, on peut dire ce qu'on veut, mais au moins je ne change pas. Tu vois, j'évolue, mais je suis toujours le même. Je ne joue pas un rôle, contrairement à eux qui font sans arrêt. Ils jouent un rôle, ils se trouvent un look et puis ils jouent un rôle. Moi, je n'aborde pas une attitude. Quand je vois par exemple qu'un Ariel Wiesman, qui lui aussi a énormément évolué dans le mauvais sens, tous ces gens-là ont très mal vieilli, hein, que ce soit Beck Bédé, Solers, Wiesman, tout ça. Oui, horrible. Ils ont très très mal vieilli. C'est-à-dire que c'était des types qui étaient soi-disant qui se faisaient passer pour des gens qui voulaient faire bouger les choses, qui étaient quand même dans une certaine attitude de non pas révolutionnaire, mais en tout cas d'insolence, et qui sont devenus les pires piliers de la conservance et de la bien-pensanterie d'aujourd'hui. Wiesman qui fait l'apologie du politiquement correct comme une valeur en soi et qui pense que moi je me suis figé dans une attitude d'adolescent rebelle. Moi, adolescent rebelle. Mais je n'ai jamais été adolescent d'abord et je n'ai jamais été rebelle. Voilà, je suis un, si on veut parler de jeunesse, je suis un enfant révolutionnaire et non pas un adolescent rebelle. Hein? Donc, et lui qui fait un travail de propagande tous les jours sur Canal+, de gaminerie, où il plaisante, où il donne des informations, où il s'extasie sur la moindre petite branchitude modeuse, de branchouilleuse, pour soi-disant pour éduquer la société, enfin les gens qui regardent à l'intérieur de cette société médiatique, c'est ça, et faire croire qu'il apporte quelque chose aux gens, mais il apporte rien aux gens. Parce que finalement, à un moment donné, on sort de la morale, d'accord ? C'est très bien, mais eux, ils rentrent dans la morale. Ils rentrent dans la morale pour imposer aux gens quelque chose de mauvais, de faux et de bidon. Alors qui a raison ? Qui est le vrai rebelle ? Qui est le vrai adolescent ? C'est l'autre. C'est celui qui continue à se complaire dans sa nostalgie d'ado et qui fait un travail de pitre, de comique, au mauvais sens du terme, de rigolo, voilà. Ce sont tous des rigolos, ils prennent rien au sérieux. Et en plus, ils n'ont aucun humour sur eux-mêmes. Dès qu'on les attaque, alors ils deviennent dingues. Alors qu'ils devraient, eux, qui sans arrêt ont le pouvoir d'attaquer les autres, ils devraient très bien supporter quand on les égratigne un peu. Et alors, juste parce que tu as dit beaucoup de choses quand même sur Beck Bédé, tu disais qu'un jour, on se rendrait compte de choses complètement, que même ses amis ne croiraient pas. Ben oui. Faut développer. Ah ben non. Moi, je ne suis pas une balance. Non. Plus on le connaîtra, mieux on s'apercevra de la complexité du personnage et de ses objectifs. Voilà, c'est-à-dire, et ses objectifs insatiables. Je ne vois pas où... Bon, c'est quoi la prochaine étape? C'est l'Académie française, quelque chose comme ça. Voilà. Et tout ça pourrait continuer à être malheureux. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que plus ils ont des prix ou du succès ou de la reconnaissance de l'argent ou des femmes ou de la drogue, eh bien plus ils sont malheureux. Alors il faudrait bien savoir pourquoi. Alors ils vont faire croire qu'ils sont malheureux parce que justement trop de succès, ça les rend malheureux, ça n'enlève pas leur douleur, leur faille intime, parce qu'ils pensent tous que la civilisation est vraiment en péril. Et que eux représentent une certaine civilisation, même dans la décadence, même dans l'apologie permanente de la décadence qu'ils font, ils se prennent pour des défenseurs de la civilisation. Et en fait, c'est faux. Parce que la civilisation n'attend pas, elle sortira, les meilleurs fruits de la civilisation même d'aujourd'hui, et même de la civilisation occidentale, ressortiront plus tard, même si, comme je disais tout à l'heure, la plupart des vrais talents sont noyés. Mais eux, ils font un travail vraiment, non pas de persiflage, mais de sabotage. Ils sapent le moral, le dernier morceau de morale, de morale qui reste pour que certains puissent croire encore à l'avenir. Et c'est en ce sens-là que je les désapprouve et qu'il m'arrive de les combattre. Et quand tu dis mafieux, ça c'est son influence
éditeur. Oui, bien sûr, mais il n'y a que ça, non, pas seulement. Il n'y a que ça, tu vois, enfin, vous le savez bien. C'est-à-dire qu'il n'y a que des réseaux, des copinages, des amis, des machins. Il n'y a que ça. Ça ne marche que comme ça. Ça a toujours été comme ça, d'ailleurs, c'est pas nouveau. Hein. Mais là, il ne faut pas croire qu'ils sont en dehors de ça. Ils sont prêts à aider un ami, même s'ils savent, même s'ils n'aiment pas ce qu'il fait, surtout dans une hypocrisie totale, parce qu'ils se consolident. Ils ont besoin d'être plusieurs, d'être ensemble pour pouvoir exister. Parce que tout seul, ils ne savent pas être tout seul. Ils ont peur d'être tout seul. Moi, je suis tout seul. Moi, je fais mon travail tout seul maintenant. Et donc j'ai pas besoin de réseau. Je m'en fous. Par exemple, je suis pour l'instant, on est au mois de juin. Il n'y a pas d'article et ni de réaction du milieu littéraire. Et ça me réjouit à un point merveilleux. C'est un silence. C'est le silence de la détresse de leur part. C'est-à-dire que c'est qu'ils peuvent pas, ils peuvent rien dire. Qu'est-ce que tu veux dire contre ce livre? On ne peut rien dire sur ce livre. Donc, et s'ils ont peur que s'ils en parlent, ça fait de la publicité, enfin, etc. Enfin, tu vois, donc. J'ai été sauvé de ça. Donc, c'est à jamais maintenant le silence qu'il s'employait à maintenir contre moi à l'époque pour m'empêcher d'exister, pour que mes livres soient pas lus par mon public. Aujourd'hui, ce silence n'a plus aucun effet. Ça n'empêche personne. Ça n'a pas empêché les 4000 lecteurs de venir lire mon livre et ça va continuer. Donc, ce n'est plus la substance du silence a changé. Ça, c'est intéressant. Eux, ils sont toujours restés dans leur silence, mais le sens de ce silence, ça n'est plus le même. Et donc, moi, j'adore de voir ça, quoi. Mon idéal, ce serait qu'il n'y ait aucun article, jamais qu'aucune personne littéraire, du milieu littéraire, ne se prononce sur mon livre. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Je ne parle même pas d'un article, ni rien, même une réaction. Qu'il n'y ait aucune réaction, pour qu'on comprenne bien que c'est deux mondes séparés. Et ça, je crois que les gens vont finir par le comprendre. Il y a deux mondes séparés. Il y a le monde de l'écriture, qui est un monde à la fois drôle et sérieux, fort, où il y a des gens qui travaillent l'écriture, le texte, le roman, la structure, le sens, qui fabriquent les livres pour ça, qui vivent pour ça, et ce sont des artistes. Et puis après, il y a un monde qui est à côté, qui est le monde des lettres, des lettreux, le monde des écrivaillons, de ceux qui ne peuvent vivre qu'entre eux, qui sont sans arrêt, qui s'invitent entre eux, qui boivent entre eux, qui vivent entre eux, qui vont en vacances, qui s'invitent quand ils ont des émissions, des supports médiatiques, et qui sont ensemble pour se conforter dans une idée fausse, évidemment, de la littérature. Et eux ne font pas de livres. Ils font des pseudo-objets avec des pseudo-textes qui sont imprimés, ils se les passent entre eux, c'est pour alimenter le vide de l'époque. Il faut bien savoir que ça n'a rien à voir. Donc ils ont leur monde, ils ont leurs critères, ils ont leur fonctionnement. Mais nous qui sommes dans un autre domaine, dans un autre espace, nous ne devons pas dépendre d'eux. Et bien pour ça, il fallait qu'il y ait une fracture, qu'il y avait un mur finalement. C'est avec l'anti-édition, j'ai construit une sorte de mur de verre, parce qu'à travers lequel on se voit encore, et eux me voient toujours, surtout parce que c'est à travers ce mur, c'est un mur de verre très 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 fort et incassable, qui permet vraiment d'être séparé. Et ça, c'est formidable. Un mur de séparation, enfin un mur de séparation que je peux approuver, qui est celui-là, entre les hommes de lettres et les écrivains. Et juste pour finir sur ce personnage, et tu parlais un peu de politique avec mur de séparation, tu disais qu'il poursuivait peut-être des objectifs au-delà d'ambition ou de carrière politique. C'est vrai que moi, je l'appréciais jusqu'à un certain point, jusqu'au moment où je l'avais vu face à toi chez Ardisson. Bien sûr. À propos de l'intervention en Irak, si je me rappelle bien. Et où là, il avait été ou totalement néoconservateur ou d'une naïveté confondante. Oui, c'est pas. D'ailleurs, c'est pas. Est-ce que c'est une naïveté confondante ou c'est les deux? C'est les deux, oui, bien sûr. Mais c'est une bêtise d'abord, parce qu'il est très bête. Hein. Il y en a beaucoup qui sont. Il n'est pas le seul. Hein. Donc il y a une bêtise mélangée à du cynisme. Voilà ce que ça peut donner. Tu vois, c'est ça. Et ce jour-là, il me l'a jamais pardonné. Et tant mieux, parce que moi, il n'y a pas d'amitié qui tienne. En 2003, quand les Américains ont soi-disant gagné en Irak, à peine un mois après ou deux mois après, venir dire ça, venir faire ce livre ignoble sur le 11 septembre et venir faire l'apologie de l'Amérique en croyant encore qu'ils allaient délivrer et qu'ils ont délivré le monde, qui sont des libérateurs de l'horrible dictature de Saddam Hussein dont la liberté du monde dépendait et qu'il fallait absolument l'abattre pour que le monde redevienne libre. C'est d'une telle connerie et d'un tel cynisme quand on voit tous les morts que ça a fait là-bas, qu'il fallait bien que quelqu'un intervienne. Voilà, c'est un exemple. Et tu vois, c'est ce mélange. Alors autant, au moins c'est clair quand c'est quelqu'un, un homme politique ou un type sérieux et épouvantable comme Bernard Lévy ou Glucksmann, tu vois, qui lui a une idéologie depuis toujours et on sait et on la combat et on sait qu'il a tort, qu'il est dans le mal et que c'est un idéologue fanatique.
et qui se prend très au sérieux. Alors là, on a des armes pour ça, et d'ailleurs, moi, j'en manque pas non plus. Mais quand tu as un soi-disant copain marrant, fun, qui déconne, qui est dans les paillettes, la coke, et qui rigole, et que tout va bien, puis à la fois, il te sert quand même ce discours, et dessous, c'est qu'on se sent quand même qu'il y a une défense. Et une, il te culpabilise. Il culpabilise, une autoprotection de son petit système occidentaliste minable. Tout ça, c'est finalement pour défendre l'Empire. Tout ça pour défendre... Il n'est pas le seul, hein. Il ne s'agit pas que de lui, mais tous les autres derrière. Et que si tu grattes bien, tu as derrière cette espèce de... c'est souvent des d'ailleurs, ils sont tous mis sur la droite. Ils sont de plus en plus droitisés. Plus l'époque avançait, plus ces soi-disant gauchistes, on s'est aperçu que c'était en fait des sionistes de droite pour l'Empire américain, pour la conservation des privilèges occidentaux, en n'ayant rien à foutre de ce qui se passe dans le reste du monde. Une plouquerie, tu vois, une francahuitrie, une franchouillardise absolument profonde, tu vois, du paysan français, bourgeois, protestant ou catholique, qui vit dans un cynisme, dans une bêtise telle qui se permet d'apporter son idée sur le monde, mais qui ferme sa gueule, tu vois. C'est là où il aurait été supportable, qui continue à être dans la dérision. Alors là, oui, il faut être dans la dérision, mais alors jusqu'au bout, tu vois. Il faut être, alors, Django Edwards, là, tu vois. Alors là, Django Edwards, moi, il n'y a aucun problème. Même si ici, moi, je ne l'ai jamais vu, moi, en privé, moi, Django Edwards, je veux dire, sérieux. Je n'ai jamais vu Django Edwards, qui était donc un comique qui a été oublié maintenant, mais tu vois, qui était un pitre qui foutait le bordel sur les plateaux de télévision. Bon, moi, c'est un génie dans son genre. Oui, enfin bon, ça vaut pas les Marx Brothers, hein, pour moi, mais pourquoi pas. Eh bien, ce type-là, c'est comme si tout à coup, tu as Django Edwards, qui sérieux, en cravate, qui dit, bon, alors, je vais vous expliquer. Moi, quand même, c'est en Afghanistan, c'est important qu'en Afghanistan, nos soldats partent en Afghanistan pour lutter contre le terrorisme. Parce qu'on entend ça aujourd'hui encore. Tu vois, alors que ça soit défendu par Sarkozy qui habite là et qui, et lui, c'est son boulot de défendre ça. C'est un homme politique, c'est un président. Évidemment qu'il a tort, évidemment que c'est dégueulasse. Mais tu t'attends pas à ça de la part d'un pitre. Tu vois, ben c'est la même chose. Donc, tout à coup, on a vu les pitres devenir sérieux. Des Ariel Wiesman, des Edouard Baer. C'est ce que j'allais dire. C'est un peu ce que fait Wiesman. Exactement. Et Consort, il distille une espèce de bien-pensance et de... Il travaille pour le branchitude. Exactement. Et de c'est là où est la falsification. Et c'est là que moi, je me permets, les ayant connus à une époque où ils étaient soi-disant plus superficiels, légers et déconneurs, je me permets de le leur dire et surtout de le dire au public. Alors si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, j'en ai rien à foutre. Mais c'est ça, il fallait bien que quelqu'un le dise. Parce qu'on peut croire, les gens peuvent être trompés. Mais je suis très très optimiste. Beaucoup de gens savent voir. D'ailleurs, avec BD, de plus en plus, tu vois, c'est une chute libre sur le plan de l'opinion. Il n'y a pas une personne, ou dans le privé, à part des gamines qui connaissent rien, des écervelés, qui puissent soutenir une conversation à son sujet, une conversation positive. Au bout de quelques minutes, n'importe qui dans Paris te dira que c'est une grosse merde, quoi. Et on ne pourra pas leur donner tort. Ou par le talent complètement très très médiocre de ces livres littéraires, ou par ces prises de position qui sont absolument désespérantes, à la fois de bêtises et de cynisme. Mais juste, c'est important, et pour finir, je vois pas le point d'articulation possible entre la bêtise et le cynisme. Pour moi, c'est l'un ou l'autre. Pour toi, c'est les deux. Oui, c'est une invention. Pour toi, il y croyait. Bien sûr, oui. Mais il se force à y croire par naïveté et par cynisme. Tu vois, attention, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Les mentalités évoluent, même si c'est les mêmes rôles. Tu vois, c'est les mentalités évoluent. C'est ça qu'il faut savoir. Alors donc, il y a des sentiments nouveaux qui se créent. Aujourd'hui, le mélange de cynisme et de bêtise est quelque chose qui existe, moi, que je sens. Et que je sens, par exemple, chez lui, mais il y en a chez bien d'autres. Tu vois, c'est un peu comme de la cuisine. À un moment donné, il y a une époque où on invente un plat. Et bien là, il y a notre époque du début des années 2000 a inventé un plat qui est le mélange de cynisme et de bêtise. Tu vois, il ne faut pas oublier que son oncle, son oncle, je ne sais plus comment il s'appelait, Beck Bédé, qui était déjà un critique littéraire, un critique de théâtre. Tu peux te renseigner là-dessus. Quand Sacha Guitry est revenu de ses de sortie de prison, tu vois, où il avait été injustement mis par calomnie, par jalousie, alors qu'il n'avait jamais absolument collaboré, c'est absolument évident, tout le monde le sait. Bon, quand il a fait son retour au théâtre, il est venu sur une scène, c'était la première fois où il revenait assez brisé de cette expérience. Et bien dans la salle, le premier qui a sifflé, c'est Beck Bédé. C'est l'oncle de Beck Bédé. C'est l'ancêtre de Beck Bédé, déjà
c'était déjà le type, le sale critique, le sale type du monde des lettres qui sifflait un génie comme Sacha Guitry par jalousie et par volonté de lui nuire. Parce que le talent et le génie de Sacha étaient trop éblouissants. Et il faisait partie de la meute de ceux qui sifflaient Sacha. Donc ça, c'est à retenir. Les chiens ne font pas des chats.